Bonjour Baptiste, tu as participé cette année au prix littéraire de la bibliothèque. Voilà. Est-ce que tu aimerais nous parler de ton roman préféré? Oui. Tu sais lequel? Mystère et rigatoni. Mystère et rigatoni d'Andreas Steinhoffel. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman? C'est un roman un peu rigolo. C'est bizarre et rigolo. Et des gens méchants, et des gens gentils, et des gens loufoques. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Et parmi ces personnages, quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué? Madame Darling. Ouais. Je l'ai trouvée rigolote quand il y avait Rico. Il venait la rendre visite. Et quand il va en visite, il va regarder un film d'amour et il mangeait des mini-tartines. Ce qui est rigolo, c'est que ce mot mini-tartine, c'est tout accroché. C'est rigolo à lire aussi. Ah oui, l'écrivain a écrit tout attaché. Ouais. Ouais. D'accord. Et tu m'as parlé de Rico. Rico, qui c'est Rico? Rico, c'est le personnage principal de ce livre. C'est un enfant mal doué qui rencontre un ami et ils font plein de trucs rigolos ensemble. Et à un moment, son copain se fait kidnapper. Kidnapper par qui? Par Mister 2000. C'est le grand méchant de cette histoire.